Et coucou tout le monde, bienvenue sur ce modpack BI, BIP, BI machin. Bon, enfin bref, voilà. Donc, j'ai rajouté un mode qui m'a été donné par Mika, je crois, si je me rappelle bien de toi, qui disait rajoute Tricapitator. Et oui, effectivement, je l'ai rajouté. J'ai rajouté ce mode. Ça permet en fait d'accélérer, entre parenthèses, le système pour faire couper tout ça, vous voyez, déjà c'est plus long. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire, il stim, non pas stimuler, il émule comme quoi je coupe toutes les bûches une par une, sans pour autant sauter. Donc, du coup, bon, en fait, c'est plus ou moins plus rapide. Bon, certes, c'est plus rapide surtout pour les arbres semi-géants. Oh, putain. Oh là, doucement, doucement les gens, hein, doucement. Donc du coup voilà, en fait il est long pour couper à la base, mais une fois la base est bien entamée, ça coupe tout l'arbre. Ah bah là ça a coupé tous les arbres en fait, tu vois. Donc on va dire que c'est un gain de temps plus ou moins, mais c'est quand même un gain de temps au niveau de ceci, des quêtes. Du coup, au niveau des quêtes, bah, j'ai déjà rempli le bois du coup, et du coup il va nous donner quadruple compressé de dirt. Hop. Ça c'est cool, c'est magnifique, ça nous permet d'avoir de la 6000 et quelques dirt, ok, très bien. Donc c'est quand même pas rien. Hop, 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 pouf, on va faire tout ça. Donc au niveau de la dirt, je te dis tout de suite que on est plutôt pas mal au niveau de notre dirt, compressée ou non, elle est quand même pas mal. Du coup. Hop, on va mettre ça dans un chest. Alors pourquoi la dirt? Parce qu'on va en avoir besoin pour nos abeilles. Puisqu'on va commencer justement l'abeille. Les abeilles. Je fais juste un chest pour bah, la fameuse dirt. Pouf. Voilà, donc du coup on a ça tranquillement. Je vais prendre la building wand parce que je vais en avoir besoin plus tard. Alors, du coup, au niveau de notre quête, une fois arrivé là. On va commencer à avoir des combes en fait. On a besoin de combes. Et notamment dans une quête, je crois. Industrial Apiary, voilà, il nous donne ceci. Donc ça a été donné. Et maintenant, dans ceci, il nous demande de ravoir justement les mutagènes. Mais il faut avoir une Common Queen. Et la Common Queen, on l'obtient en faisant une. Comment? On va dire un couple entre. Une drone, un drone par exemple, common, pas common, je suis con, moi. Meadow et forest qui nous donnent une common. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, on va se faire juste une petite zone. Déjà, c'est que des plaines, je crois. Est-ce que c'est vraiment que des plaines partout? Est-ce que c'est que des plaines partout? J'espère que oui. Alors, bleu. En fait, je suis en train de voir s'il y a vraiment que des plaines. Mais je crois que oui, ça a vraiment que des plaines dans le coin. Hop. 12, 13. Ah oui, c'est le niveau de luminosité, ça, je suis con. Ouais, donc on verra bien. Alors, du coup, au niveau des abeilles, on va commencer à faire justement nos abeilles. On va s'éloigner un petit peu de Botania. On va passer peut-être par là-bas. C'est un point plutôt sympa par ici. Alors, est-ce que je fais cobble? Et une petite. Ouais, je vais voir, tiens. Vu de la cobble, j'en ai quand même beaucoup. Autant l'utiliser correctement. On va faire un petit chemin qui est plutôt comme ça. Hop. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. On va commencer par là. Et du coup, je vais juste me faire des barrières. Petite, tranquillement. Voilà. Hop. Voilà. Alors pourquoi je me fais des barrières? C'est tout simplement pour moi, mon côté, pour éviter de tomber. Une fois ici, je vais me faire comme ceci. Alors pourquoi comme ça? C'est tout simplement pour me délimiter un petit chemin au milieu de tout ça, avec un petit chemin au milieu, qui me permettra de mettre de la dirt. Alors du coup, je vais faire une dirt en version chunk. Comment? Au niveau des chunks, là, je suis là, et vous voyez, on commence plus ou moins dans un nouveau chunk en fait.
un peu de la merde. Donc on va éviter d'être comme ça. On va faire du 9 en longueur. Donc ça veut dire 11 au niveau de la cobble. Donc 1, 2. Donc moi je compte alors 9 en dirt. 1 dirt, 2 dirt, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc du coup, il faut que je rajoute une et deux. Voilà. Hop, je me pose ça. C'est encore plus chouette. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, je me suis fait en fait mon petit terrain au niveau de ce qu'il faut. Par la même occasion, tac. Hop. Pourquoi? Parce que je vais faire justement mon petit coin par ici. Et également, je refais ma petite salle de dirt. Petite salle de dirt, de cobble. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ici, à l'intérieur, il va y avoir que de la dirt. Il va y avoir 9 par 9 de dirt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et on refait nos deux rangées de cobble. Correctement. Voilà. Et là, c'est 3. Donc, je fais 3. Hop. Voilà. Oh putain. Ça, c'était pas prévu par contre. Heureusement que c'est pas la Building One de version supérieure, sinon il m'aurait refait un étage complet. Du coup, hop, bah, ça c'est correct. Hein, du coup, on va. Hop. Voilà. On va poser toute la version de Wall. Voilà. Donc vous voyez, on obtient tout ça. Cependant, là-dessus, il va nous falloir une grâce. Et la grâce, actuellement, je l'ai pour. La grâce viendra plus tard, de toute façon. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et 1. Et 2. Voilà. Donc, du coup, là-dedans, je vais être servi. Des fois, ça va plus vite de faire ça qu'avec là où la building wand. Voilà. Hop, ceci étant fait, je mets 3 de long. Pourquoi? Parce que je fais mon petit angle. Voilà. Je reviens une fois que tout ça c'est fait. Voilà, re tout le monde. Du coup, bah, je me suis fait tout ça. Je viens de finir à l'instant. On va continuer du coup à faire ce qu'il faut. Je range les torches. Je rends pas ceci pour l'instant. Alors, du coup, j'ai préparé un petit peu ma salle. Je vais voir au niveau de la grâce si c'est possible d'en obtenir. Non, je ne peux pas en obtenir. Il y a Tinted. La grâce là, c'est du bush. Je m'en tape. M'en tape. Comment je peux obtenir de la grâce normale? La grâce normale. On ne peut pas en obtenir de la grâce. Cependant, j'en ai besoin. Comment on peut obtenir de la grâce? Bah, ça sera peut-être délivré dans une quête, la grâce. Tant pis, on peut toujours, de toute façon, comment travailler avec les abeilles, même si éventuellement, bah, il n'y a pas de grâce au sol à proprement parler. C'est pas très grave, ça, au pire. La cobble, je vais la remettre là. Tac, tac. Voilà, au niveau de la cobble, bah, ça suit son cours. Du coup, au niveau des abeilles, maintenant, on va commencer un petit peu tout cela. On va déjà agrandir un petit peu notre réseau d'énergie ici. Tac, tac. Voilà. Même encore bien l'agrandir. Ça, c'est un chest de dirt. Sauf que le chest de dirt, il m'emmerde un petit peu. Voilà. On va faire vraiment au plus gros. Tac,
Et tac, voilà, comme ça, on a ce qu'il faut. Là-dedans, du coup, une fois que ceci est en fait, on a des princesses en priesting. Alors attention, les abeilles en priesting, ça veut dire qu'elles ne mourront jamais. Cependant, si la Mido, par exemple le Mido comme une autre, devient ignoble, au bout d'un certain temps, elle va mourir. Donc faites bien attention. Il y a deux sortes d'apiaries. Il y a les apiaries de foresterie qui sont tout simplement en bois. C'est-à-dire que les abeilles, bah, là-dedans, ils vont butiner tranquillement. Donc ça se fait à partir de canne-painter, de seed oil, qui se fait à partir d'un squeezer, qui est de la seed ou toute autre bouffe éventuelle. Voilà. Cependant, voilà, à partir de ça. Maintenant, nous avons les industriels apiaries qui se font à partir de l'industrie. Ça, c'est un mode overpété, en fait. Pourquoi? C'est tout simplement, en fait, que c'est... Oh, bi. On peut les avoir dans les apiaries de base. Oh, c'est mignon, ça. Avant, on pouvait pas les faire, ces abeilles-là. Oh, oh c'est cool. Une chocolate bait. Oh, c'est excellent ça. Oui, bon, enfin bref. Du coup, voilà. Là, on va faire notre première, en fait, une petite installation d'abeilles qui est tout simplement, il faut obtenir de la bonne mills pour avoir des fleurs. Cependant, je sens qu'on avait des fleurs à un moment. On n'a pas de fleurs. On n'a pas de fleurs. On a des champignons, mais on n'a pas de fleurs. Et comment on peut obtenir des fleurs? Peut-être avec Botania, on peut en obtenir. Ah non, j'ai des fleurs. Ok, autant pour moi, j'ai déjà des fleurs. Ok, très bien. Justement, ces fleurs-là vont nous permettre de faire butiner les premières abeilles. Alors, du coup, on va... J'avais pas des apiaries de base à la base. Des apiaries de base à la base. Oui, bah oui, logique. Notamment. Oni, je peux pas en avoir parce que les apiaries, ils arrivent là. Donc on va faire déjà travailler quelques abeilles. Alors, au niveau des abeilles, là on va passer par Gendustrie. Pourquoi? Parce que j'ai pas les apiaries de base. Et du coup, on va passer par une apiarie normale. Donc je vais en prendre deux. Donc ça se met en fait sur ceci qui permet d'avoir de l'énergie. Donc c'est à partir de 100 000 RF hein, qui contient cela. Donc là, bah, ça descend plus ou moins. Hein, on s'en tape un peu hein, vu l'énergie qu'il y a derrière. Voilà, il nous constate en fait qu'il y a température normale et humidité normale. Ici également. Parce que c'est dans le même biome. Le biome est égal à un chunk. Voilà. Donc dedans, vous devez mettre obligatoirement une reine. Et un drone pour qu'il devienne une princesse. On va commencer par les abeilles de base. Par exemple, on a une Meadow Princess et une Meadow Drone. Quand on les met ensemble, ils vont commencer à se breeding, donc comme un breeder en fait, c'est-à-dire se fusionner. Hop, déjà, elle devient princesse. C'est marqué comme quoi bah, il fait nuit et qui n'a pas de fleurs. Alors, quand il y en a qui a pas de fleurs, c'est tout simplement bah, qu'il n'y a pas de fleurs. Donc du coup, il va falloir mettre des fleurs. Alors, vous pouvez en mettre un seul, comme vous pouvez en mettre deux, des fleurs. Ça n'a pas de problème. Donc, on fait ça, tout simplement. Et on fait notre petite poppy. On va mettre notre poppy. La poppy va détecter, bah, l'apiary va détecter comme quoi il fait nuit. Et au bout d'un certain temps, elle va détecter comme quoi il y a une fleur juste devant elle. Au niveau des apiaries industrielles, vous voyez, là, en fait, il fait nuit actuellement. On peut émuler comme quoi il fait jour constamment avec GenIndustrie, c'est des upgrades. Upgrade d'apiaries, de GenIndustrie. GenIndustrie, voilà. Bon, après, vous avez tous les templates que je ne connais pas forcément. Comment? C'est 51, 38. Il y aura peut-être mieux comme ça. Voilà. Au niveau des upgrades comme ça. Là, on peut en fait émuler comme quoi il fait tout le temps jour. C'est light upgrade. J'ai un petit truc dans l'œil. Une petite poussière en fait.
Light Upgrade permet en fait d'émuler comme quoi il fait tout le temps jour, Eternal Lightning. Ça consomme 5% d'énergie en plus. C'est de la glowstone et tout simplement 4 tins de redstone et de gold. 4 tins, on en a déjà. De redstone et du gold plus 4 glowstone. Donc on va se faire. Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas faire de nuggets pour l'instant. Voilà, bon. En tout cas, le jour se lève tranquillement et ça va consommer actuellement 20 RF par tick. Alors, sa production modifère actuellement de 30%, sa flowering chance qui est de 10%, son life spawn modifié est de 20%. Voilà, ça veut dire qu'elle va vivre 80% de sa forme actuelle. Donc là, le jour se lève tranquillement. Il faut juste qu'il détecte comme quoi il fait jour. Voilà. Là, actuellement, il fait jour. Et vous pouvez voir actuellement qu'il y a des petites abeilles qui travaillent de droite et gauche. Ça veut dire qu'actuellement, en fait, la ruche, actuellement, est en train de travailler. On va également mettre une autre abeille qui est tout simplement une forest. On va faire travailler une forest. Pouf! Celle-là est déjà pristine, elle est déjà queen, donc ça veut dire princesse. Et actuellement, elle travaille également. Les commons et les forests, pour ce qu'on sait actuellement, travaillent dans un biome tempéré, normal. Vous pouvez voir en appuyant sur Shift, en fait, sur les abeilles, si vous les avez scannées, comme quoi là, actuellement, ils ont besoin d'une température normale et pas plus d'humidité que ça. Donc, humidité normale. Vous en avez d'autres qui, bow, de permet en fait de. Comment? Alors, attends. Flyer, je crois qu'il travaille. Je ne sais plus. Flyer. Je sais qu'il y a une version Flyer. Talent Flyer. Ah, il y a un truc que je ne sais plus au niveau des Flyers. Alors, elle a besoin en fait de travailler dans la roche. Elle a besoin de roches à côté d'elle, donc il y a de la cobble partout. Ici, il y a besoin de fleurs, de lily pads. Moi, ça, c'est des water. De lily pads, de flowers. Celle-là, bah, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas scannée. Celle-là non plus. La roque qui a besoin de roches. De roche. Également ici. Et elle travaille de nuit, celle-là. Et elle peut se mettre enterrée. Elle peut s'enterrer, celle-là. Et flower. Donc, ceci étant fait, on va avoir besoin de tout ça. Maintenant, au niveau de la dentelle mutatron, mutagène, tac, tac. Alors, là-dedans, ça va remplir 5 millions de RF et 5 millions et 600, 1 million 6 d'énergie. Là-dedans, bah, ça va sucer, en fait. Tout simplement, ça va sucer. Alors, 8 000 RF, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, je pourrais, mais je vais laisser ça comme ça. Et je vais mettre des solaires 3 dessus, tiens. Voilà, pour générer encore plus vite. Bon, même si c'est des 64, on s'en fout, ça fait toujours de l'énergie en plus. Donc, du coup, pour l'instant, en fait, elle travaille tranquillement, mais sûrement. Actuellement, elle est de 25% et de 20%. Elle travaille pourquoi? Parce qu'il y a une petite fleur ici. Voilà. Ici, c'est le mutagène producteur. On en a besoin en fait en mettant de la redstone, on obtient un mutagène qui est nettement utile pour nous. Voilà. Au niveau de cette mutagène, c'est pour ça qu'on a des blocs de redstone. En fait, on en a besoin. On a besoin de mutagène. Pourquoi? C'est tout simplement pour envoyer du mutagène ici. C'est pour faire la mutation entre une espèce d'abeille et une autre. Ah, bien sûr, avec ce qu'on a dedans. Donc, on a besoin de ceci, c'est obligatoire, c'est dans le mode génétique. Hop, donc là, vous voyez comme quoi ça suce beaucoup quand même. Il faut 1 million de RF pour que ça avance. Donc, c'est assez long, hein. Et ça nous donne en fait 900 mini buckets de mutagène. Sachant que normalement, si mes souvenirs sont bons. Il y a besoin de 1000 mutagènes pour qu'une abeille puisse se brider entre les deux. Ah, là, on obtient en fait un résidu, un pas un résidu, une production au niveau de mes fleurs.
Pourquoi ceci? C'est tout simplement, alors attention, parce que les hommes peuvent muter aussi au niveau des abeilles, si je vous verrai ça plus tard. Elles nous donnent en fait des honeycombes. Ces honeycombes, en fait, ça nous permet de récupérer du miel sur nos abeilles. Alors, et bien sûr, en même temps, ça nous donne en fait une quête. Donc, honeycombes, il m'en faut 8, et d'amp combes, il m'en faut pas beaucoup. Alors, cependant, je voudrais bien chercher un petit biome océan. Plein biome, plein biome. Ouais, je sais pas ce qu'il faut encore. Je sais que je peux l'émuler, le biome. Mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. Alors, je sais que je peux émuler un biome. Voilà, océan. Alors ça nous demande quand même pas mal de choses. C'est un peu l'inconvénient actuellement. Production upgrade. Light spot. Désert, émulation. Humidifieur. Elle, automatique. Dryer. Ah ok, dryer. Humidité réduite. Wither. Foraging upgrade. Hein. Bon, c'est décollant, c'est pas... Plant, voilà, génétique stabilisateur. Ok, jungle, théorie upgrade, hein, augmente son territoire. Océan, open sky upgrade, hein, donc ça vous permet en fait d'obtenir, d'émuler comme quoi vous êtes à ciel ouvert, même si vous pouvez l'enterrer. Bah du coup on a des honeycombes, donc ça tranquillement, ça aussi, ça en fait ça génère tranquillement. Voilà, nous avons du mutagène. Alors vu que les cocottes sont en train de travailler petit à petit, je vais en fait donner une forest et une meadow à justement ce que j'appelle là comment le tout simplement une mutation. Donc je mets une forest queen, forest princess avec une différence entre justement une meadow. Donc si vous arrivez bien à suivre. Et quand on sélectionne avec une industrie, on peut sélectionner l'abeille qu'on veut. Tac, je veux la queen. Cependant, il nous faut 1000 de mutagènes pour réussir. Donc il faut attendre que la redstone se fasse. Voilà. C'est tout simplement ça. Il faut attendre. 98, 49, 100. Voilà. Hop, j'ai obtenu. Et du coup, j'ai demandé une common. Pouf, voilà. J'ai actuellement une common queen. La common queen, ça nous servira justement à faire ce qu'il faut. Alors, du coup, il me faut une water, donc il me faut une damp. Damp, c'est plus d'humidité. Il me faut du bronze et il me faut justement les gold nuggets que je ne peux pas avoir malheureusement. C'est un peu mal foutu parce qu'il nous demande d'avoir des damps à Rouen. Vous voyez, là en fait il pleut. Alors, ça se voit très bien, il pleut. Cependant, on peut émuler comme quoi ils sont protégés. Donc c'est avec du biwax. Le biwax on obtient à partir du honeycomb qui est ici quand on le fait passer tout simplement dans une centrifuge. On obtient du biwax actuellement. Cependant, je n'ai pas ce qu'il faut. Et de toute façon, je ne peux pas avoir parce qu'il me faut des gold nuggets. Et les gold nuggets, je ne sais pas comment les avoir. Parce que c'est mal foutu. Voilà. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc, au niveau de ceci étant fait, il va nous donner une diligente, honey drop, génétique, blanc, machin. Donc, il me faut un advanced mutatron. Un mutagène producteur et une common queen. Vous avez une chance sur 13 d'obtenir le spé fertility. Ok, très bien. Ah oui, au niveau des générations, des génétiques d'abeilles, c'est très différent par rapport à ceux que j'ai connus. Donc c'est assez chiant. Une cobble égale à... Ok, très bien. Je vais pas appuyer sur help, ça me sert à rien. Donc du coup bah, il me faut une common queen et il me faut ceci. Donc ceci bah, je vais aller le récupérer hein, parce que j'en ai besoin.
Voilà. Donc, du coup, manuel, pouf. Et du coup, je peux Rodelem. Voilà. Advantage génétique permet. Ok, très bien. Du coup, au niveau des abeilles, j'ai une diligente. Ok, j'ai le bianalyseur qui me permet en fait tout simplement de pouvoir analyser une abeille. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de miel, donc du haut des drops. Et par exemple, je veux scanner une abeille que je n'ai pas pu scanner. Tiens, la diligente, forcément, je ne l'ai pas scannée. Du coup, hop, ça consomme une goutte de miel. Ça nous dit l'activité qu'elle prend quand elle travaille, quand elle travaille pas. À bien faire attention justement à ceci. Elle peut être différente quand elle travaille, quand elle travaille pas. Quand elle travaille, sa vie est short, donc ça veut dire petit, comme Shorty. Lol. Putain, c'est un troll. Production speed. Alors, ce qu'elle produit actuellement, elle est plutôt lente. Sa pollinarisation qui permet de convertir en fait les arbres en d'autres aspects d'arbres, elles sont lentes. Voilà. Le type de fleurs, bah, elles ont besoin de fleurs de base. Une fois qu'elles meurent, elles nous donnent deux drones, aussi bien l'une que l'autre. Son territoire, c'est du 9 par 9, 9 par 9 par 6 de haut. Et elle n'a aucun effet. Ensuite. Quand on va dans la deuxième catégorie, ça nous dit actuellement le climat qu'elle a besoin, la tolérance, la température de tolérance, l'humidité, l'humidité de tolérance. Actuellement, elle est normale, normale, normale. Donc elle, en fait, elle travaille tout simplement comme, comment? Elle travaille tout simplement comme les common, comme les cultivate, comme les meadow. Voilà. Cultivate, c'est une autre spécialité. Donc, elle travaille que 2 jours. Voilà, elle ne travaille pas la nuit. Tolérance flyer, je ne sais plus ce que c'est ça. Cave, elle est interdite dans les caves. Et tolérance flyer, je ne sais plus ce que c'est. Faudrait que je regarde ce que c'est. Je suis pas sûr. On peut voir ce qu'elle produit. Donc elle nous produit du string comb. Voilà, dans catégorie 3. Dans catégorie 4, c'est toutes les possibilités de mutation qu'on peut avoir. Et dans l'énergie 5, c'est la classification qu'on connaît plus ou moins tous. Ou pas, hein. Faut dire ce qui est. Du coup, au niveau de notre quête maintenant, donc maintenant bah, il fait nuit, hein, forcément. Donc il va falloir que j'aille dodo. Je vais me retrouver dans les feuilles, moi je le sens. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, je me suis retrouvé dans les feuilles. Comme quoi là, bah, il fait jour, donc alors on continue à faire pop, 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 pop. Au niveau de sa génétique sampler, hop, ça nous permet en fait d'obtenir, on va dire, une petite génération d'énergie. Pas d'énergie, je suis con, moi, mais puissant, je suis fatigué surtout. Voilà, génétique, j'ai besoin de ça et de ça. Hop, tac, tac, il me faut de l'énergie et il nous faut un petit pattern. Donc, du coup, au niveau de ceci, je vais tout simplement me prendre. Alors, il faut que j'attende que l'amido se fasse. Ah, cool. J'ai un oné de plus. Toc. Ça, c'est cool. C'est pour me permettre, en fait, d'avoir cette quête-là. Voilà. Bon, les. Comme quoi, je les ai déjà. C'est bien. Il faut juste les avoir sur soi. Donc, j'attends juste que ces petites abeilles fassent leur petit boulot et je vous retrouve une fois que c'est fait. Heureux du coup, voilà. Une fois qu'elle meurt, en fait, on obtient une princesse et on obtient un drone. Donc, je refais basculer. Ça, je la garde. Et ainsi que pour la forêt, celle-ci nous en donne 3, les drones. Donc, ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, je les refais brider un petit coup. C'est pour obtenir plus de drones. Hop. Et pouf, elle devient une queen. Comme ça, là, elle travaille aussi. Du coup, au niveau, en fait, tout simplement de le. Comment? On avait flyer. Flyer, en fait, veut dire tout simplement tolérance à la pluie. Voilà, c'est tout simplement ça qui nous permet d'obtenir ce qu'il faut. Donc, je vais mettre une gène sample de gène du string ainsi qu'un génétique et je vais demander d'avoir Forest Drone. Alors, ça va plus ou moins rapide. Donc, vous voyez toutes les abeilles qu'on a, on a 3000 abeilles et arbres compris, hein. On a 3340 espèces différentes. Donc, ce qui est quand même assez énorme au niveau des arbres.
Là, vous pouvez voir qu'actuellement, les livres, c'est toujours les mêmes, plus ou moins. Celle-là, vous voyez, a été pollinérisée contre une abeille. Bon, je peux la péter comme je veux, hein, pas de souci. Mais ça veut dire qu'elle est travaillée par une abeille. Du coup, j'ai récupéré le gène comme quoi tolérance none, actuellement. Donc, ça veut dire que l'abeille a une tolérance de quasiment de zéro. Je peux faire en fait ça pour toutes les abeilles. À bien compter que c'est pour toutes les abeilles. Par exemple, si je veux en faire 32, voilà, tac, je peux faire tac et tac. Je peux mettre une forest drone, donc là ça va refaire son travail naturellement. Tac, 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 tac. Hop, et ça va me donner un gène aléatoire de la bille. Donc là, spécialité c'est forest, donc ça veut dire que je peux remettre en fait une roquille. Donc attention à bien prendre des roquilles. C'est nettement plus avantageux si vous voulez faire de la mutation avec d'abeilles. Ça veut dire qu'elle nous donne un drone à chaque fois. Et elle a quasiment rien au niveau de nos aspects en fait. Regardez. Elle travaille lentement. Elle est vraiment très lente. Pollinisation est très lente. Elle travaille qu'avec de la roche. Donc ça peut être sympa. Elle nous donne qu'un drone. Donc pour ça, vous pouvez le multiplier avec des gènes justement. Elle travaille partout. Alors, beau 1, température tolérance, c'est-à-dire qu'elle peut travailler au-dessus et en dessous. Voilà. Au niveau de la tolérance, au niveau des grades, elle travaille de jour, elle travaille de nuit, elle travaille quand il pleut, et elle peut travailler dans les caves. Voilà. Et on peut savoir le nombre de générations qu'elle a tournées, actuellement de 0. Elle nous donne des Rocky Kong qui servent absolument à rien. On peut savoir pas sa mutation et tout ce qui s'ensuit. Là, on peut pas trouver ce qu'elle a l'abeille parce qu'il nous manque du honey. Hop, voilà. Je vais mettre l'amido. L'amido, ça peut être utile par la suite. Voilà, une roquille, une diligente. On peut capturer aussi les gènes des arbres. Hein. C'est super sympa ça. Ça nous donne comme quoi tolérance none. Donc tolérance none, putain, on l'a déjà et je crois que je peux refaire cuire pour qu'elle redevienne blank. Voilà, c'est ça. Oh, je m'en souviens. C'est magnifique. Voilà, c'est comme ça qu'en fait on peut obtenir les gènes des abeilles au fur et à mesure du temps. On peut les avoir comme ceci. Donc ça peut être très long, comme ça peut être très rapide. Il faut vraiment savoir ce que vous faites. Attention, les gènes de gènes d'industrie, justement, gènes d'industrie, vous les avez là. Ça, c'est toutes les gènes qui est possible d'avoir. Donc actuellement, il y a 3, 6, 9, 12 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'avais dit combien? 18, 3, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 fois 18, 19, 36. Voilà, vous avez tout ça en fait. Vous avez plus de 1000 gènes, 1000 gènes d'abeilles possibles actuellement au niveau de gènes d'industrie. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Merde, c'est pas ça. Fuck. Tant pis. Du coup, attendez, il y a juste K-Bedding Inventory Tab. Voilà. Tuc, ça me permet de faire ça. Donc, du coup, voilà, je vais vous laisser pour la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Sauf si je suis en plein déménagement, mais généralement, j'y réponds. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous, bisous.